Captain here. Message aux techniciens des équipages
aux techniciens scientifiques, spécialistes en informatique, ZTZZ, je sais pas quoi là. Hein. Ah voilà, regardez, une équipe de nos mécanos a monté l'antenne Sky DSL. Voilà. Hein. Alors ici, il y a tout ce qu'il faut pour la régler. Hein. Voilà. Il y a les graduations là qui sont en ce moment à 39-40 parce que c'est la zone ici, l'Ariège montagne, et le satellite est dirigé vers l'azimut 170-172 qui est derrière, au-dessus de ce paquet d'arbres par là-bas. Ensuite, je vous montre la situation sur la connexion. Alors ici, bien sûr, hein, le câble qui va in the office, qui est là. OK, now we're in the office. Office. Donc le câble, il sort de la fenêtre. Il va à ceci, qui s'appelle via sat. Et le modem, c'est Two-Way. C'est le modem pour le satellite Sky DSL. Voilà. Alors ici, là, ça clignote. Ça devrait pas. Ça devrait être bon. On a branché tout ça, ce Two-Way, sur cette bête-là, qui est un ordi qui devrait être super speedo et qui devrait être capable de faire n'importe quoi en Skype, en montage, en tout ce qu'on veut. Alors maintenant, voyons la situation du Two-Way qui est donc branché là-dessus. Et ce qu'il nous donne sur un écran, voilà ceci. Alors c'est la fameuse... le fameux lien pour installer les satellites internet, et ça c'est donc le Two-Way. Hein, alors on a choisi le violet, mais il y a le jaune aussi comme zone ici, et maintenant c'est simple, il nous donne les indications. Voilà, il faut tourner comme ci, et puis il faut tourner comme ça, et il faut régler sur notre satellite DSL qui se trouve dans le ciel vers le sud, et après on regarde notre signal, voilà, et il faut monter donc le signal au max, c'est-à-dire la barre vers la gauche, en tournant, donc faisant les petites manœuvres indiquées par Sky DSL. Alors, mon équipe de mécanos n'a pas pu rester, moi ça fait des jours et des jours que j'essaye de régler Fine pointing, c'est-à-dire trouver bien le signal. Hein. Alors on tourne à gauche, on tourne à droite, on change un peu l'azimut et ce signal ne bouge pas d'un millimètre, d'accord. Alors attendez, il faut que je vous montre autre chose, ne bougez pas. Alors c'est facile comme tout, disent-ils, hein, dans leur manuel. Le kit, il a fallu quand même que je le paye 250 €. Hein. Alors moi, je ne peux pas aller demander à un installateur de venir avec 150 € de déplacement. L'installation, c'est 500 €, je ne sais pas. Hein. Normalement, les papiers qui étaient dans le kit expliquent tout. Voilà, alors vous cherchez votre couleur. Alors ici, ben, c'est jaune ou violet. Là, j'ai mis violet. Orientation précise de l'antenne satellite, ah ben voilà, comme ça je vous le mets, hein. Et puis mes équipages qui sont aux consoles de Star Trek là, pour donc tout ce qui est informatique, et eh ben vous allez trouver la solution, n'est-ce pas, hein. Voilà. Là, c'est là, hein, qu'on va pour faire ça là, hein, voilà, et on arrive donc à Viasat et ça. Et ça, et ça. Donc après, une fois que vous avez trouvé votre signal strength maximum, disent-ils,
Vous faites la suite, cliquez sur modèle, tous les voyants verts online, statut du modem, voilà comment ça doit être. Ensuite, activation par l'utilisateur, ça j'ai les codes, c'est pas un problème. Alors, il y a une assistance technique française. Oh oui, c'est vrai. Oui, parce que c'est quand même Berlin. Ah, regarde, ça c'est Berlin. Das habe ich schon gesehen in Berlin. Ja. Alors voilà, alors ici on a SkyDSL et puis on a donc là le numéro d'assistance technique. Eh bien, tu me le mets. Voilà. Amusez-vous à téléphoner, vous allez voir. Alors on téléphone là et on a une horrible musique de jazz punk et on laisse tourner la petite musique. Bienvenue à Sky Technique DSL. Alors ils nous mettent le jazz punk et on écoute le jazz punk pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis à la fin, il y a un voix robot qui dit oh, bah, tous nos services occupés ont rappelé ultérieurement là. Alors on rappelle et puis on a alors, bienvenue sur le service technique de Sky DSL et on retrouve du jazz punk pour le reste de la journée, et on recommence le lendemain toute la journée, on recommence sur le lendemain toute la journée, ça fait quasiment une semaine que ça dure ce truc. Alors, s'il y a des génies informaticaux qui veulent bien trouver la solution, hein, alors nous ici, hein, puisqu'on a les zones qui sont indiquées là, donc la zone là, on voit bien, les Pyrénées sont dans le jaune ou orange qu'ils appellent et violet, n'est-ce pas? Et puis après, on a le bloc d'élévation, donc pour bien mettre notre... voilà, ici, vous voyez que le méridien 40, voilà, 40, hein, on est bien sur le 40 dans la zone ici, où 39 est des briquettes. Voilà, alors normalement, c'est très très facile tout ça. Ah ouais, là c'est très très facile, n'est-ce pas? Eh bien, parce que c'est si facile, les petits génies informatiques, vous allez aider votre capitaine, s'il vous plaît, sur le vaisseau ou la communication par satellite, n'est-ce pas? Ne marche pas, qu'on est obligé de prendre. Parce qu'avec Orange, on a une moyenne de 30 à 55 kilo-octets par seconde. Merveilleux, hein, pour travailler. Oh là 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 là. Oh, que c'est bien. Oui, c'est bien. Et encore, hein, là, il y a un message qui se met, mais c'est pas moi qui le mets, hein, c'est notre admin qui a aussi une connexion qui est pas énorme. Hein. Voilà, et ben on demande de l'aide, hein, là. Allez là. Les techniciens super génies du vaisseau, si vous arrivez, je vous prends dans mon vaisseau. Hein, quand on fait des nouveaux vaisseaux, là, après, on a un vaisseau. Hein, moi, je suis capitaine et j'ai un équipage de 1000 à peu près. Alors, j'aurais besoin de super génies, d'officiers scientifiques et tout pour régler les communications. Alors, vous me bougez ce curseur. Là, voilà. C'est facile, hein? Eh bien, allez-y, aidez-moi. Merci. Allez, salut les équipages. On va faire une vidéo courte parce qu'il y a des urgences. On parlera très rapidement de toutes les news, y compris la news que le tube russe nous a squeezé des vidéos de Devidek. Alors pour l'instant, je suis chez le mécano qui est mon village voisin qui est sympa, qui est. Mouvement et tout ça, bon, parce que j'ai été voir ailleurs, oulala, ils veulent tout changer. Ouais, il y a des problèmes à la voiture, alors je vous en causerai dès qu'il va la mettre sur le pont, on saura où on en est. Et j'aurai évidemment besoin d'aide financière pour les réparations de la voiture. Ah, tuture, et ben boum, le satellite, ben ça marche pas encore, impossible d'avoir le service technique au téléphone, ils répondent jamais. Alors s'il y en a qui ont des grosses idées, hein, parce que le satellite est monté, la coupole, mais on n'arrive pas à régler le signal. Voilà, ça fait beaucoup de choses, hein. Attendez, on va en donner d'autres.